Bonjour les colibris, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le petit colis du mois de janvier. Comme chaque mois, vous recevez dans votre petit colis, en plus des livres que nous vous aurons sélectionnés, des petites surprises, un marque-page et notre gazette du mois. Le petit colis de janvier était marqué sous le signe de la nouvelle année et des bonnes résolutions. Vous avez pu y découvrir plein de petites surprises pour bien commencer l'année 2022. Un calendrier annuel et un lot de 3 cartes entièrement créées par l'équipe Le Petit Colis pour vous accompagner dans votre organisation cette année. Pour accompagner vos lectures d'une bonne boisson chaude, un sachet d'infusion de feuilles de verveine de la marque belge Tea Tower, une recette 100% naturelle et biodégradable. Et pour finir, une petite trousse Le Petit Colis pour vous accompagner dans vos déplacements et à glisser dans son sac pour y ranger des petites choses utiles du quotidien. Chaque mois, vous retrouvez également dans votre petit colis notre gazette entièrement rédigée par l'équipe. Dans la gazette du mois de janvier, vous avez pu découvrir un coup de cœur de Nicolas, notre Mister Plume, fraîchement arrivé dans l'équipe, une sélection de romans autour de l'écologie afin d'entamer l'année avec de belles résolutions, une interview exclusive de l'autrice Laure Rollier, les dernières actus littéraires, et nous laissons également la parole aux colibris, et ce mois-ci, c'est Mango and Chamallow qui nous parle de son dernier coup de cœur. Et pour finir, un tuto pour réutiliser votre box petit colis de façon astucieuse. Et pour accompagner vos lectures, notre marque-page petit colis avec sa jolie citation et son chouette design hivernal. Et toujours au dos, de quoi noter vos impressions de lecture. Côté lecture, vous avez le choix entre deux formules. La formule un livre grand format et la formule de livres de poche. Chaque mois, nous effectuons un travail de sélection personnalisé afin de vous proposer des lectures adaptées à vos envies du moment. N'oubliez pas de mettre à jour régulièrement votre bibliothèque sur l'application Colibris afin que nous puissions au mieux cibler vos envies, vos goûts et vos lectures favorites. Voilà les Colibris, cet unboxing du petit colis de janvier est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires si ce petit colis vous a plu, les livres que vous avez reçus, si vous les avez aimés. Et si vous êtes nouveau par ici, retrouvez tous les liens en barre d'infos pour obtenir plus de renseignements et vous abonner si vous souhaitez tenter l'expérience petit colis. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.